Oui, madame, mais pas avec ces chevaux-là. Allez, plus vite. Avancez. Frédéric. Comment, il est déjà 9h? Apportez les autres livres lorsque ne vous aurez fini. Ne vous faites aucun souci, Miss Cali. Tenez, Miss Crandall. Merci bien, Monsieur Frost. Docteur Adams. Platon, la République. Euclide, la géométrie. Hérodote. Hérodote, oui. Hérodote. Hérodote. Ces sujets ne sont-ils pas uniquement réservés aux hommes, Miss Crandall? Oui, ils l'ont été, Docteur Adams, mais je n'oserais dire qu'ils en ont fait bon usage. Bonne journée, messieurs. Martial, les élèves sont-elles là? Elles sont en classe, Miss Prudence. Mon premier jour de classe et je suis déjà en retard. C'est très joli, Martial. Merci, Miss Prudence. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Miss Crandall. J'apprécie votre exactitude. Il faudra que je m'en inspire. Bien. Nous commencerons et terminerons chaque journée de classe en faisant une prière. Donc, toutes ensemble, inclinons-nous. Béni soient les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Béni soient les affligés, car ils seront réconfortés. Cette danse. Vous ne voudriez pas refuser cela à votre hôte. Je suppose que j'aurais mauvaise grâce. Le comité de sélection a décidé d'assister à l'un de vos cours. Oh! Je sais d'avance que le docteur Adams et Monsieur Frost redoutent que j'enseigne à leur chère fille à réfléchir par elle-même. Oh, ils s'y feront. Puis-je vous confier un secret? J'ai donné cette soirée uniquement pour avoir l'occasion de danser avec vous. J'espère ne pas vous avoir déçu. Oh, je ne pense pas que vous puissiez jamais me décevoir, Miss Crandall. Merci, Miss Crandall. Merci, Monsieur Gibson. Il me semble qu'on nous observe. Pensez-vous qu'il désapprouve? Oui, j'en suis absolument certain. À présent, écoutez attentivement et répétez après moi. Come sai, Rose?
Come stai, Rose? Très bien. Grazie. C'est ça, grazie. Sono molto bene, grazie. Sono molto bene, grazie. E lei, come stai? E lei, come stai? Sono molto bene, grazie. Sono. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Rien du tout. Alors prends le baquet. Je ne vois pas ce que Charles aime en toi. Grazie mille. Mon intelligence. Grazie mille, signorina. C'est très bien. Nous allons à la leçon suivante. Vais-je devoir me forcer à me dire ce qu'il en est? Vous n'avez donc pas accepté cette promenade pour être en ma compagnie? Mais si. Eh bien, qu'a dit le comité de sélection au sujet de mon école? Le docteur Adams ne tarissait pas. Et Monsieur Frost? D'éloge. Et le révérend Wheaton? Même le révérend Wheaton a admis n'avoir jamais vu un enseignement si bien prodigué. J'attends encore l'avis de Monsieur Andrew Gibson. Monsieur Gibson est de loin le plus heureux de tous. Ébranleur de la terre, à toi-même de voir pour aîné. En ton cœur, si tu veux le sauver ou le laisser périr, va. Marcia, j'ai préparé une liste de toutes les marchandises qu'il nous faut. Oui, madame, je vais m'en charger. Auriez-vous une promenade? J'aimerais beaucoup. Très bien, si nous allions par là. Excusez-moi un instant, Andrew. Certainement. Que l'un d'entre nous doit commencer, pourquoi ne serait-ce pas moi? Je sais que vous n'approuvez pas que j'ai ouvert ma propre école. Je ne suis pas venu parler de cette école. Les anciens m'ont appelé. Ils ont dit que tu avais abandonné notre foi. J'ai répondu que jamais un Quaker ne ferait une chose pareille. Pourquoi dirait-il cela? Quand cela s'est-il produit? Quand? Je ne savais comment vous le dire. Les anciens ont offert de te prendre en tant qu'enseignante à l'Académie de Providence. Et j'ai accepté en ton nom. Je t'assure qu'ils n'en tireront aucun avantage. Je regrette, mais j'ai presque 30 ans. Je suis sans mari et j'ai bien peu d'espoir d'en trouver un. J'ai acheté ma maison avec mon propre argent. J'en ai fait une école dont toute la ville est fière et je n'ai pas l'intention de tout abandonner. Les anciens vont te désavouer. Eh bien qu'ils le fassent. J'ai trouvé Dieu dans d'autres lieux. Et il est présent dans ma maison. Ne me force pas à faire un choix. Voyons, père. Père, attendez. Merci, Marcia.
Désiriez-vous me parler? Non, Miss Prudence. En fait, si, Miss Prudence. Je me demandais, Miss Prudence, si je pouvais m'asseoir dans le fond de la classe. Je vais me marier avec Charles Harrison et je pense que ça fera de moi une meilleure épouse. Je peux? Si vos tâches sont terminées, je n'y vois aucune objection. Ah, tout sera fait, Miss Prudence. C'est juré. Merci. Quand tu auras parcouru le chemin de la connaissance, tu ne pourras plus jamais faire semblant d'ignorer. Elle t'atteindra jusqu'au fond de l'âme, et ainsi t'accompagnera le long de la route. Sans doute parfois cette connaissance te fera mal, mais elle t'apportera également de grandes joies. Qui souhaite lire la suite? Tu veux dire qu'elle a accepté que tu assistes à ses cours? Je t'assure que je dis la vérité. Jamais je n'ai vu une personne de race blanche faire une telle chose. Nous espérons que Marcia pourra enseigner à Rhode Island. Juste après notre mariage. Je pensais lui demander si elle accepterait de m'inscrire. Les Blancs ne te laisseront jamais faire ça. Elle acceptait Marcia dans la classe parce que Marcia travaille pour elle. Il est possible que les temps changent, William. Je ne pense pas que la panthère soit devenue végétarienne. Je ne cherche pas à te décourager, mon enfant, mais je veux t'éviter des déceptions qui ne feront que ton malheur. Seigneur, nous te remercions pour la nourriture que nous allons prendre. Amen. 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 C'est le moment. Parle-lui. Père va sûrement me tuer s'il l'apprend. Demande. Bon, d'accord. Je vais le faire. Viens. Qu'est-ce que tu attends? Allez! Seigneur, je t'en prie, fais qu'elle dise oui. Entrez. Je m'en vais, Miss Kendall, mais avant, je vous apporte du bois. Merci, Frédéric. Connaissez-vous Sarah Harris? Oui, madame. J'envisage d'accepter son admission dans mon école. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien, Miss Kendall. Vous ne refusez pas que des gens de votre race reçoivent de l'instruction, n'est-ce pas? Oh non, non, madame, mais... Mais? Eh bien... Qu'y a-t-il? Mon père me disait constamment qu'il ne faut pas taquiner le porc-épic. Je me suis demandé quelles étaient les raisons qui me feraient refuser son admission. Et je n'en ai trouvé aucune. Pourquoi la couleur de la peau serait-elle un obstacle à l'éducation? Je n'en sais rien, moi. C'est pas moi qui fais les lois. Miss Crandall. Oui? Avez-vous jamais lu le journal Le Liberator? Non, en effet, mais j'aimerais beaucoup le lire. Parler depuis tout à l'heure, est-ce que vous vous portez bien? Oui, bien entendu. Ça fera bientôt 5 années au printemps que ma femme s'en est allée. Voilà que je me sens comme un collégien face à son institutrice. Oh. Prudence, j'ai essayé de dissimuler mes sentiments à votre égard. Ce n'est un secret pour personne. Prudence, laissez-moi continuer, sans quoi jamais je ne vais y arriver. Oui. Je connais très bien notre différence d'âge. Mais ne jugez pas le livre à sa seule couverture. Et puis si vous trouvez en votre cœur un peu d'affection à mon égard, je vous promets que je chérirai ce sentiment à jamais. Je ne voulais pas vous taquiner, et ne mettez pas mes sentiments en doute.
Alors, ma très chère Prudence, voulez-vous m'épouser? Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Pas même de devenir la femme d'un sénateur. C'est vrai? Oui, j'ai décidé d'être candidat. Je dois aller à Hartford demain, mais dès mon retour, nous annonçons nos fiançailles officiellement. Crandall, comment allez-vous? Votre fille Sarah m'a demandé de l'accepter dans mon école. Elle a osé? Et après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter Sarah. En classe? Les frais de scolarité sont de 25 dollars par trimestre, payables à votre convenance. Elle commencera dès lundi. Merci, madame. Vous êtes en train de vous moquer de tous ceux qui vous ont apporté leur soutien. Franchement, c'est une honte. À cause de vous, les gens de couleur de Canterbury vont se hausser jusqu'à réclamer l'égalité. Vos sentiments reflètent la charité chrétienne, messieurs. Ça n'est pas que nous n'apprécions pas certains noirs de notre communauté. William Harry, c'est un travailleur méritant et chacun d'entre nous pense que sa fille peut prétendre à l'instruction. À la condition qu'il ne s'agisse pas de mon école. Le fait est, Miss Crandall, que nous ne pouvons créer de précédent ici qui mélangerait les races. C'est le genre de choses qui, forcément, ne nous conduirait qu'au métissage. Puis-je vous rappeler, docteur Adams, que Moïse a épousé une femme de couleur? Vraiment, Miss Crandall, pourquoi ne pas prôner la polygamie sous prétexte qu'elle était reconnue dans l'Antiquité, Daniel? Nous sommes des hommes compréhensifs, vous pouvez me croire, Miss Crandall. Et si Andrew Gibson était ici comme il le devait, je suis certain qu'il se rangerait de notre côté sans la moindre réserve. Je crois, moi, que bien au contraire, il approuverait ma décision. Eh bien, ce serait surprenant. Je voudrais vous proposer ce que je considère comme une solution très équitable. Vous pourriez déménager votre école dans un emplacement moins fréquenté, et si ensuite vous souhaitez l'inscription de Sarah Harris, cela ne sera plus un inconvénient. Que faites-vous de ma maison? Je pense que nous trouverons les fonds suffisants pour vous la racheter. Sachez bien que ni ma maison, ni mes convictions ne sont à vendre. J'ai le droit de diriger mon école selon mes idées. Vous êtes une femme, Miss Crandall, et sans mari, je crois. Vous n'avez aucun droit. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ah, bonjour. Mesdemoiselles, reprenez vos places, je vous prie. Il en arrive encore d'autres et le docteur Adams les rejoint. Elle a taquiné le porc-épic. Bonjour, William. Comment va Madame Harris? Beaucoup mieux. Merci, docteur Adams, merci. Je suis bien content de l'apprendre. Retourne dans ta ferme, négro. J'amène ma fille Sarah à l'école. C'est une école de jeunes filles blanches, William, vous devriez le savoir. Non, monsieur le docteur Adams. Je ne pense pas que ce soit le cas encore à présent. Dépêche-toi, Sarah. Tu vas être en retard. Monsieur Harris! Avez-vous tous perdu la raison? Voyons pas d'excès, Miss Crandall. Ne me dictez pas ma conduite. Bonjour, Monsieur Harris. Charles. Bonjour, madame. Sarah, vous êtes ravissante. Merci, Miss Crandall. Donnez-moi la main, Sarah. Je vous mets en garde, Miss Crandall. Arrêtez cela sur le champ ou votre école cessera d'exister. Qu'à cela ne tienne.
Harris, j'ai mis du thé à chauffer. Voudriez-vous, ainsi que Charles, prendre une tasse de thé bien chaud avant de repartir? C'est gentil, Miss Crandall. Parfait. Je vous en prie, venez. Cette affaire ne s'arrêtera pas là, Miss Crandall. Mademoiselle, bien que la plupart d'entre vous la connaissent, laissez-moi vous présenter Sarah Harris, qui suivra les cours avec nous à partir d'aujourd'hui. Je suis certaine que vous lui ferez bon accueil et que vous lui montrerez le respect que vous souhaiteriez vous-même recevoir. Tenez, Sarah, mettez-vous là. Il n'y a personne à cette place. Très bien. Nous commençons et finissons nos journées par une prière. Bien que nous ayons déjà récité notre prière ce matin, je pense qu'il ne serait pas inopportun de marquer cette journée avec le 23e psaume, n'est-ce pas? Bien. Connaissez-vous ce psaume, Sarah? Oui, Miss Candle. C'est parfait. Veuillez baisser la tête. Le Seigneur est mon berger et je ne lui manquerai pas. C'est lui qui me conduit sur le chemin des verts pâturages. Viola Adams. Va chercher ton manteau et suis-moi. Maintenant. Le Seigneur est mon berger, je ne lui manquerai pas. C'est lui qui me conduit sur le chemin des verts pâturages. C'est lui qui me guide le long des eaux tranquilles. C'est lui qui fortifie mon âme. C'est lui qui me guide sur la voie de la droiture pour l'amour de lui. Sa bonté et sa miséricorde me seront acquises tout au long de ma vie. La maison du Seigneur sera mon refuge pour l'éternité. Amen. Pourquoi avoir pris cette décision avant mon retour? Pourquoi tant de précipitation? Je ne saisis pas votre attitude. Je ne voulais pas vous impliquer dans ma décision. Mais je suis impliqué, voyons. J'ai demandé à ces gens de m'élire sénateur. Il n'était pas dans mes intentions de vous causer du tort, Andrew. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir de la sorte? En regardant dans les yeux de Sarah, je me suis vue moi-même. Aidez-moi. Et parlez à ces gens en ma faveur. Pour l'amour de Dieu, c'est une fille de couleur. Ne m'avez-vous pas dit un jour qu'il ne fallait pas juger un livre sur sa seule couverture? En effet. Mais comprenez que le moment n'est pas favorable. Un jour, peut-être, mais pas maintenant. Il est trop tôt. Promettez-moi d'être patiente et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire revenir vos chers élèves. J'ai mis mon doigt dans l'engrenage et je ne le retirerai pas. À votre guise. Andrew? Je n'ai parlé à personne à propos de notre engagement. Moi non plus. Lloyd Garrison, le Libérateur, Boston, Massachusetts. Cher Monsieur Garrison, je pense bien être pour vous qu'une étrangère. Et moi, je ne vous connais qu'à travers les mots brutaux de vos éditoriaux.
retirer sa conférence. Et encore, refusez-vous la controverse. Non, non, ce n'est pas ça. Mais vous avez bien moi, je ne peux publier ceci. Il n'est pas question que je change une virgule. Écoutez, vous pouvez traiter le président des États-Unis de stupide, d'ignorant, sans vous attendre à mettre le feu aux poudres. Je m'en fiche complètement. Qu'ils aillent tous au diable. Je regrette fort que notre langue soit si lamentablement pauvre et défaillante que je ne puisse maudire l'esclavage en termes équivalents à son infamie. Monsieur Knapp et moi-même sommes d'accord pour que le texte soit composé tel qu'il est. Monsieur William Lloyd Garrison? Oui. Je suis Prudence Crandall, de Canterbury, dans le Connecticut. Je vous ai écrit et vous m'avez répondu, m'invitant à venir vous voir. Le professeur qui m'avait intrigué. Ah, pardonnez-moi, j'avais oublié. Je suis extrêmement honoré de faire votre connaissance. Avez-vous fait un bon voyage? Avez-vous un hôtel? Oui. Oui, je suis à l'hôtel Marlborough. Ah, parfait, parfait. Je vous prie de pardonner mon étonnement, mais en fait, je m'attendais à une personne d'un certain âge, une dame patronesse. Et voici mon associé, Monsieur Knapp. Miss Crandall. Comment allez-vous? Oui, nous avons tant une tasse de thé bien chaud, Miss Crandall, par ici. Ma foi, oui. Entrez dans mon salon. Merci. Je vous prie d'excuser tout ce fouillis. J'ai malheureusement de très mauvaises habitudes de célibataire, vous savez. Asseyez-vous. Et vous, me trouvez-vous comme vous l'imaginiez? Eh bien, je confesse que moi aussi, je m'étais fait une image différente. Je vous croyais beaucoup plus âgé. Une sorte de gentleman au visage un peu rougeoyant. L'hypocrisie de nos États du Nord est insondable, Miss Crandall. Savez-vous qu'il y a encore des esclaves dans le Connecticut? Je n'en savais rien. Pourtant, c'est votre État. Je préfère vous avertir que vous mettez les pieds en plein dans un champ de bataille. Je puis être le vaillant chevalier qui vous guidera et vous prêtera main forte. Mais ce sera votre combat. Il faut tous les renvoyer en Afrique. Hors de ma vue, hors de mes pensées. Telles sont les nobles pensées de notre belle société américaine de colonisation. J'ai l'intention de déchirer le masque sous lequel se cache l'hypocrisie et exposer en pleine lumière toute la laideur et la bassesse. Mais je ne suis pas satisfait du résultat de mes agissements. Les jours, les semaines, les mois s'écoulent à un rythme des plus alarmants. Qu'ai-je fait dont je puisse être fier? Cessez de vous décourager. Votre journal est le seul rayon d'espoir pour ces gens. Oui, c'est réconfortant, mais malheureusement, il n'a pas banni des siècles d'obscurantisme. Je vais vous dévoiler deux erreurs principales qui, à mon avis, ont ruiné notre cause. Nous, les hommes, avons sous-évalué le pouvoir des femmes. Et elles-mêmes se sont sous-estimées. Et pourquoi les esclaves ne sont-ils pas des créatures à l'image de Dieu? Parce qu'ils sont noirs. Et pourquoi seraient-ils paresseux, imprévoyants et inefficaces s'ils étaient libres? Parce qu'ils sont noirs. Pourquoi les esclaves, s'ils étaient émancipés, couperaient-ils la gorge de leur maître? Parce qu'ils sont noirs. Pourquoi les esclaves n'apprécieraient-ils pas la liberté? Parce qu'ils sont noirs. Et pourquoi les esclaves ne sont-ils pas heureux? Parce qu'ils sont noirs. Et pourquoi ne souhaitent-ils pas la liberté? Parce qu'ils sont noirs. Et pourquoi ne sont-ils pas nos frères et nos compatriotes? Parce qu'ils sont noirs. Pourquoi les États du Nord ne se préoccupent-ils pas du Sud pour faire cesser l'oppression des États esclavagistes sudistes? Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont noirs. Je viens d'avoir une vision. Non, pas une vision. Un appel. Une apparition. Oh, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il fallait absolument que je vous en parle. Entrez, je vous prie. J'étais sur le point de m'endormir, lorsque soudain, mon être tout entier fut envahi par une grande lucidité. Je sais parfaitement maintenant comment je dois orienter ma vie.
Je désire que toutes mes élèves soient de race noire. Je n'ouvrirai ma porte et mes livres qu'à ces jeunes filles. Il n'existe aucune école de jeunes filles noires nulle part aux États-Unis. Vos adversaires s'y opposeront avec toutes les forces qu'ils rassembleront. Vous croyez donc qu'il est trop tôt? Je crois que hier était déjà trop tard. En fait, je pense que ce que vous proposez est comme un clairon qui sonne la charge et appelle à un très grand et glorieux combat. J'aimerais l'appeler Institut supérieur pour jeunes filles de couleur. Vous m'aiderez dans cette tâche? Je maudirai toute personne qui gênerait votre démarche. Je vous enverrai une liste des familles noires de Nouvelle-Angleterre dont les jeunes filles pourraient donner de l'éclat à votre école. J'écrirai aussi à plusieurs abolitionnistes de renom pour qu'ils se rallient à votre cause. Et de plus, je corresponds avec un ministre de l'Église non loin de chez vous, le révérend Samuel May. Si vous sentez le besoin d'un appui, allez le voir. Je ne sais comment vous remercier. J'ai un jour fait de la prison pour mes idées, et j'y retournerai volontiers si cela pouvait rapprocher l'émancipation d'un seul jour. Ce que je m'efforce de dire, c'est que vous devez être prête à tous les sacrifices. Et si une telle chose devait m'arriver, où trouverais-je la force de la supporter? Je suis un agitateur, pas un mystique. Il vous faudra résoudre vos énigmes en temps voulu. Au revoir, Prudence Crandall. Au revoir, William Lloyd Garrison. Et puisse Dieu vous venir en aide. Miss Crandall. Allons l'accueillir. Elisa Hammond? Bonjour. Soyez la bienvenue à Canterbury. Je suis Miss Crandall. Nous sommes heureux de vous recevoir. Voici Frédéric. Comment allez-vous, Miss Hammond? Et Marcia. Ah, depuis longtemps, nous prions pour vivre ce moment. Eh bien, Frédéric montra votre malle. Venez, nous allons vous installer. Et c'est ici que nous étudions. Nous apprenons les mathématiques, la philosophie, la littérature, les sciences. Vous aimez le dessin et la peinture? Nous étudions l'art 3 fois par semaine. Désirez-vous voir votre chambre à présent? Très bien. Miss Crandall, Dieu vous bénisse. Donc, nous savons que A au carré plus B au carré égale C au carré. Miss Prudence Crandall a détourné l'esprit de cette école du but initialement approuvé. Regardez la façon dont nous sommes récompensés pour notre soutien. J'en appelle à vous tous qui mettez en valeur les biens personnels et communautaires pour qu'ils méritent la respectabilité. Empêchons cette femme d'apporter destruction et déshonneur à notre ville. Ralliez-vous! Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Josué, vous serez maudits.
et aucun d'entre vous n'échappera à la punition, aux durs travaux des bois et des eaux, et au repentir devant la maison de Dieu. Nos ancêtres auraient-ils travaillé si dur en vain pour nous léguer cette terre? En vain nos ancêtres auraient-ils donné leur sang? En vain nos ancêtres auraient-ils peiné pour qu'aujourd'hui nous faiblissions et souffrions que ces nègres partagent nos maisons, nos champs, nos libertés? Allons-nous réellement accepter que 30 ou 40 célibataires de race noire vivent au cœur de notre ville? Combien de temps pensez-vous que cela prendra pour que le chiffre soit multiplié par 3 ou 4? Voici une pétition qui devrait obliger tous nos représentants élus à voter une loi qui empêchera cette femme d'introduire le péché de métissage dans notre communauté. Ôtez vos sales pattes de là. Bonjour, monsieur Quatt. J'aurais besoin de fournitures pour mon école. Frédéric viendra plus tard prendre la marchandise. J'ai peur de ne plus être en mesure de vous vendre quoi que ce soit. Je paie mes factures. Si je vous vends quelque chose, personne n'achètera plus chez moi. La ville a voté le boycott à votre encontre, jusqu'à ce que vous nous débarrassiez des nègres. Vraiment? La ville a-t-elle aussi voté l'empoisonnement de mon puits? Marcia? J'ai besoin de votre aide, père. La ville a décidé de nous priver de bois et de nourriture. Notre puits a été empoisonné. Père, ne me punissez pas à votre tour. Tu as fait toi-même ton malheur. N'est-il pas à votre goût? Oh, si. Veuillez m'excuser, il est excellent. J'ai été injuste envers vous, Andrew. Qu'est-ce qui vous autorise à dire cela? Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai grand besoin de votre soutien. Celui d'un amoureux ou d'un allié? Je ferais mieux de partir. Prudence. Attendez, écoutez-moi. Peut-être la sincérité de mes sentiments vous aiderait-elle. Si je vous ai invité chez moi ce soir, c'est pour vous dire que je vous pardonne. En dépit de votre attitude, mes sentiments pour vous sont inchangés. En dépit de mon attitude? Dieu sait combien j'essaie, Prudence. Oui. Est-ce à cause de M. Gyson? J'ai lu ses articles, j'ai lu ce qu'il raconte sur les gens de Canterbury. Non, vous ne savez pas la moitié de... Je sais qu'il vous a aveuglé, je sais que vous n'intéressez que dans le but de promouvoir ses idéaux absurdes. Prudence, si c'est chez vous un besoin d'enfant, je n'y suis pas opposé. Mon offre de mariage tient encore, je ne vois pas de femme meilleure que vous pour être mère. Je regrette, Andrew. Mais les filles à qui j'enseigne, elles sont mes enfants. Et qu'est-ce que vous leur apprenez? Que les noirs sont les égaux des blancs? Que quand elles auront quitté le sanctuaire de votre école, elles seront acceptées différemment dans le monde? Quel enseignement est-ce là? C'est le seul que je sais enseigner.
Et le monde les traitera différemment, parce que c'est elles qui changeront ce monde. Même si des obstinés s'y opposent avec force. Prenez garde, Prudence. La colère gronde dans cette ville, elle ne peut que s'amplifier. Vous êtes venu à notre secours en nous offrant toutes les provisions, monsieur Harry. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Et vous n'acceptez pas que je vous les paie. Oh, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, Miss Crandall. Sarah m'a dit que jadis vous auriez aimé être enseignant. Eh bien, accepteriez-vous de nous donner quelques cours? Cela plairait beaucoup aux filles et à moi. Évidemment, ce serait possible, Miss Crandall. Je retiens cette idée. Oui? Oui. J'en suis enchantée. Vous ne voulez vraiment pas que Charles vous raccompagne dès qu'il aura terminé? C'est une belle journée. L'exercice nous fera le plus grand bien. Oui. Prenons la route. Vous pouvez vous tenir les mains si vous voulez, mais marchez. Révérend Wheaton. Je suis navré, Miss Crandall. Mais les mandataires de l'église ont décidé d'interdire l'office à vos demoiselles. Évidemment, vous serez accueillie à l'église, mais seule. Je viendrai avec mes jeunes filles ou pas du tout. À votre aise. Dieu n'a pas jugé bon de séparer les moutons blancs des noirs, Monsieur Frost. Vous allez vous prétendre parler aussi au nom du Seigneur, Miss Crandall? Aux idées en avance sur son temps. Ces sujets
projets sont plutôt réservés aux hommes, Miss Crandall. Malgré cela, son école pour jeunes filles est très bien accueillie par la ville. Prudence gagne également l'approbation d'Andrew Gibson, procureur de la ville. Voulez-vous m'épouser ? Mais dès l'instant où elle admet à l'école une élève de race noire, la situation se détériore rapidement. J'ai le droit de diriger mon école comme je l'entends. Vous êtes une femme, Miss Crandall, sans mari de surcroît. Vous n'avez aucun droit. L'un après l'autre, les pères mécontents retirent leur fille de l'école de Prudence. Même son fiancé, Andrew, refuse de se ranger à ses côtés. J'ai mis les pieds dans l'engrenage. Je n'abandonnerai jamais. À votre guise. Son école est maintenant vide. Prudence rencontre William Garrison, un activiste qui lutte pour les droits des Noirs. Elle lui fait part de ses rêves. Je désire que toutes mes élèves soient des filles de couleur. Je ne veux ouvrir mon école qu'à cette seule condition. Il n'existe aucune école pour les Noirs, nulle part aux États-Unis. Vos opposants vous contrecarreront avec toutes les forces qu'ils pourront rassembler. La prédiction de Garrison se révèle exacte et les villageois s'acharnent sur Prudence pour lui faire fermer son école. La ville a voté un boycott à votre encontre jusqu'à ce que vous nous débarrassiez des nègres. Vraiment. Voici la deuxième partie de La force de vaincre. Nous vous remercions pour le sacrifice. Jonathan. Bonne journée. Quelle belle messe. Samuel May. Monsieur William Garrison m'a dit que si j'avais besoin d'un allié, je pouvais faire appel à vous. Vous devez être l'enseignante de l'école de Canterbury. C'est ainsi que j'ai réfléchi à toutes les oppressions qui existent sous le soleil. Vers les larmes de tous les opprimés, car ils n'ont eu aucun réconfort. Et c'est bien du côté de l'oppresseur que se tient le pouvoir. Mais eux non plus n'ont eu aucun réconfort. Je pose mon regard sur vos visages et je peux y voir une merveilleuse diversité. Il en est ainsi par la volonté de Dieu et nous ne devons jamais, jamais, au grand jamais laisser s'installer la monotonie de l'uniformité. Et clamer ensuite que là est le bien. Vous savez que vous êtes la femme la plus courageuse d'Amérique, Miss Crandall. Je ne sais si je dois vous encourager ou m'apitoyer sur votre sort. Je n'ai besoin que d'un ami. Oh, mon amitié vous est acquise. Savez-vous que M. Garrison va venir me voir à Brooklyn? Quand cela? Dimanche en 15, pour livrer un de ses assauts coutumiers contre les petits esprits. Cela l'a rendu impopulaire. Il séjournera quelque temps chez moi et... Je serais très heureux, en vérité, si vous me faisiez l'honneur de venir dîner. Oh, je serais enchantée. J'attends votre visite dans une quinzaine. Désiriez-vous d'un véritable repas dominical avec le grand service? Oui, l'accompagnement. Oui, c'est exact. Nous allons toutes nous y mettre. Et je devrais faire la course de la table. Je pèterai la pâte et toi tu feras le glaçage après. Je trouve qu'il faut plus de fleurs. Je vais en ramasser. Oh,
des lois qui répriment le vagabondage. J'habite chez Miss Cotter. Il est dit dans la loi que nous avons le droit de mettre à nu les vagabonds et de les frapper ou fouetter 10 fois avant de les jeter hors de la ville. Oh, je vous en prie, seigneur, laissez-moi. Seule dégresse, part en Afrique. Ne bougez pas d'ici. Elisa ? Elisa ? Que s'est-il passé ? Que vous est-il arrivé ? Laissez-moi voir. Laissez-moi regarder. Mon Dieu. Je suis désolée. C'est une honte. Ma pauvre enfant. Chut, chut. Chut. Je suis désolée. Monsieur Frost! Qu'y a-t-il, Miss Crandall? Si vous vous sentez le droit de fouetter mes filles, alors fouettez-moi aussi. Allez-y, Monsieur Frost, fouettez-moi. Ces très respectables citoyens de Canterbury viennent de montrer leur véritable visage. Nous devons porter le fer avec encore plus de vigueur qu'ils ne l'imaginent. Oui, il y a une pétition qui circule pour la fermeture de l'école. Et le corps législatif de l'État débat actuellement de cette question. Qu'ils en fassent même une loi. Je dois me rendre à Londres récolter des fonds pour notre cause. Mais au retour, je porterai l'affaire devant la Cour suprême s'il est nécessaire, croyez-moi. Je ne sais pas combien de temps encore les filles vont supporter toute cette haine. En aucun cas, elles ne doivent renoncer. Si la loi autorise le fouet, elles doivent se préparer à le supporter. Chaque coup résonnera à travers le pays. C'est pure folie de brandir cette loi contre le vagabondage à l'encontre de ses enfants. Nous vivons une époque de folie, révérend. Mon Dieu, j'aurais presque souhaité qu'il les fouettait. Imaginez ce que j'aurais pu écrire dans le Libérateur. Je vous prie de m'excuser. William. La diplomatie n'a jamais été mon fort. Prudence. Ce n'est pas le moment de perdre courage. Mes filles ne sont pas des soldats de plomb que vous pouvez à votre guise déplacer pour la plus grande gloire de William Lloyd Garrison. Elles ne sont pas des mots, ni des causes, ni des idées dont nous pouvons plaisanter au cours d'un dîner. Elisa est faite de chair et de sang comme nous tous. Et si vous l'aviez tenue tremblante dans vos bras, si vous aviez senti ses larmes sur votre poitrine, vous n'auriez jamais, jamais dit ce que vous avez dit. Pardonnez-moi. Vous ne savez pas ce que chaque jour représente de souffrance. J'ai prié toutes les nuits en souhaitant avoir la chance de vous revoir pour me nourrir de la force que nous avions tous les deux à Boston. J'en tremble encore. William, vous devez vous presser. William? Je voulais vous laisser dormir. Le shérif est en chemin avec un mandat pour mon arrestation.
Il semblerait qu'Andrew Gibson ait juré d'intenter une action en justice contre moi. J'ai écrit une lettre. J'avais l'intention de la confier à Sam. Tenez. Que dit-elle donc que vous ne puissiez me dire en face? William! Je suis fiancé et vais me marier. Elle s'appelle Helen Benson. Je connais sa famille de longue date. Vous l'aimez? Je suppose. Oui. Prudence. Il vaut mieux partir. Mettez de côté vos sentiments pour moi. Et ne laissez rien vous détourner de ce combat qui est le vôtre. Rien ne m'arrêtera. Très chère Miss Crandall, qui sinon une femme peut exercer une influence aussi marquante? Quelle volonté, quel héroïsme, quelle ferveur et quel dévouement pourront jamais égaler ceux d'une femme? C'est une victoire. Ils sont très nombreux au dehors, ceux qui vous déclarent inférieurs simplement en raison de la couleur de votre peau. Nous devons rejeter cette attitude fermement. Mesdemoiselles, veuillez continuer, monsieur Harris. Il y a 3000 ans de cela, nos ancêtres étaient au tout premier rang de la civilisation. Les Égyptiens étaient des Noirs d'Afrique. Hérodote, le père de l'histoire, l'a bien dit. Il y a aussi... Je suis désolé. Qu'y a-t-il, Frédéric? Ils ont voté une loi, appelée la loi Noire, qui interdit d'amener des Noirs d'un autre état dans le Connecticut pour les instruire. Ils fêtent l'événement. Que tout le monde me suive. Attentivement ces visages, et vous y lirez exactement ce qu'ils sont. La géométrie de la haine, la science de l'ignorance, la littérature de la peur. Je ne peux vous enseigner que la douce clarté de la vérité. Étreignez-la, et je promets qu'aucun canon, qu'aucune épée, qu'aucune loi ne viendront vous l'enlever. Votre mariage aujourd'hui, Miss Prudence. J'aurais aimé ne pas vous quitter. Oh, ne dites pas ça. Rhode Island n'est pas si loin que ça. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Miss Crandall, un instant. Shérif, une femme et un homme sont sur le point de se marier. C'est au sujet de la loi noire. Voilà, j'ai un mandat d'arrestation, vous allez devoir m'accompagner.
Je viens d'apprendre la nouvelle. Et je vois que vos supporters vous ont abandonné. Non, Andrew. Ils ne m'ont pas abandonné. Ils ont voulu venir, c'est moi qui ai refusé. Je vais me porter caution et ainsi vous épargner cette horreur. Non. J'ai seulement peur qu'on ne me jette pas en prison. Je vous en supplie. Ne jouez pas les martyrs au profit des idées de William Lloyd Garrison. Cela n'a rien à voir avec lui. Ce que je le fais de ma seule volonté. Chérie. Prudence, attendez. Sachez que, bien que nous proférons des idées différentes, n'oubliez pas qu'il ne faut pas les mêler à nos sentiments. Nous nous sommes avoués notre amour l'un pour l'autre. Je vous renouvelle mes sentiments. Alors accompagnez-moi. Mettez-moi en prison, chérie. Nettoyer. J'ai pensé que vous aimeriez avoir la Bible. Ma femme prépare le souper. Vous la remercierez pour moi. Adressé, Miss Crandall. Merci. Y a-t-il une personne qui s'occupe de mes jeunes élèves? Sally Harris et le révérend May sont tous deux auprès d'elle. C'est tout ce que je sais. Merci, chérie. Très chère Prudence, je viens tout juste d'apprendre votre emprisonnement et c'est en toute hâte que je vous écris pour vous exprimer mon chagrin. J'espère que vous gardez bon moral en dépit des circonstances. Vous avez brisé mon cœur, William. Ce n'était pas mon intention. Et que va-t-il advenir de moi maintenant? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. J'ai rencontré un très bon avocat, Parker Ellsworth. Il est totalement acquis à notre cause. Il va arriver à Canterbury d'un jour à l'autre. Vous rappelez-vous notre première conversation à Boston? Je vous avais parlé de mon emprisonnement pour mes idées. J'ai demandé où trouver la force si cela m'arrivait. Je vous ai répondu que vous trouveriez seul la façon de faire face le moment venu. Vous rappelez-vous? Le moment est venu, Prudence. Le moment est venu. C'est dans la faiblesse que je retrouve mes forces.
Votre caution a été déposée, Miss Crandall. Vous décrivent comme la femme la plus têtue et la plus inflexible de tout le pays. Comme je suis désolée. Père, pardonnez-moi. Nous, les Crandall, avons toujours été têtus et inflexibles. En particulier dans notre droit. Oh, vous m'avez tellement manqué. Nous avons prié pour vous. C'est vrai, j'ai prié aussi pour vous. Elisa a un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Oh, c'est magnifique, Elisa. Je le chérirai éternellement. Oh, merci. Merci mille fois. C'est magnifique. Merci à toutes. L'avocat que M. Garrison a demandé est ici, Miss Prudence. Déjà? Eh bien, je vais aller le voir immédiatement. Je ne me souviens pas avoir désiré plus ardemment plaider une affaire que celle qui vous concerne. Sachez, Monsieur Ellsworth, que nous n'avons pas les moyens de vous payer. Ne vous inquiétez pas, tout est réglé. Par qui? Mais par la famille Benson. S'agit-il de la famille de Mademoiselle Hélène Benson, que Monsieur Garrison va bientôt épouser? Y voyez-vous une objection? Non. Est-ce que Prudence a des chances de l'emporter? Oui, si la lucidité prévaut. Mais je ne peux pas le garantir. Une bonne dizaine d'hommes blancs seront dans le jury et ne verront pas d'un œil bienveillant ce que vous avez fait. Il y a aussi autre chose qui m'inquiète. Les jeunes filles, vos élèves. L'accusateur public les a cités à comparaître. Non, ce serait affreux. Vous ignorez ce que mes filles ont déjà enduré. Les obliger à comparaître dans une cour de justice et les exposer au regard des gens, c'est vraiment trop demandé, je ne peux pas le permettre. Oui, mais la loi noire l'autorise. Et alors? Et il n'y a pas moyen d'empêcher M. Gibson de l'appliquer. M. Andrew Gibson? M. Garrison m'a dit que vous le connaissiez. Oui, nous le connaissons. Je dois informer ces jeunes filles de leurs droits. Oh, laissez-moi d'abord leur parler. Excusez-moi. Surtout, ne vous laissez pas impressionner, je suis là auprès de vous. C'est moi qui parlerai. Il y a du monde. Oui. Oyez, oyez, c'est l'affaire numéro 213 qui est aujourd'hui présentée devant la cour du comté de Windham. Le juge David Daggett présidera. L'état du Connecticut contre Mademoiselle Prudence Crandall. Levez-vous. Les jurés ont-ils prêté serment? Oui, votre honneur. Votre honneur. Oui, monsieur Ellsworth. Votre honneur, je me permets de faire remarquer que l'un des jurés, monsieur Simon Hollin, est actuellement membre du corps législatif et de ce fait a voté la loi noire qui nous amène devant ce tribunal aujourd'hui. Par conséquent, votre honneur, nous demandons qu'il soit retiré des jurés. Je ne voudrais pas évidemment paraître borné ou têtu, monsieur Ellsworth, mais quelles sont les raisons de votre objection à la présence de monsieur Hollin? Il a voté en faveur de cette loi, votre honneur. Ce qui implique qu'il s'est forcément déjà forgé une opinion préjudiciable à ma cliente. Je suis moi-même un membre de ce même corps législatif, monsieur Ellsworth. Donc estimez-vous par là que cela fait de moi sans doute un juge partial. Ne vous connaissant pas suffisamment, votre honneur, je préfère vous accorder le bénéfice du doute. Je tâcherai de me le rappeler, monsieur Ellsworth. Et puis-je vous rappeler que tout individu qui se respecte se forme une opinion? Pas de plus naturel. Comme il est tout à fait naturel que les opinions changent. Et votre tâche, monsieur Ellsworth, est de modifier ces opinions. Si vous y parvenez, vous aurez gagné ce procès. Monsieur Hollin restera membre des jurés. Très bien, votre honneur.
Je prie le ministère public de lire les charges retenues. Votre honneur, il est dit que Prudence Crandall a abrité et instruit à son école de Canterbury plusieurs personnes de couleur, dont les témoins Eliza Hammond, Catherine Ann Weldon et d'autres qui, à l'époque des faits, n'étaient pas domiciliés dans aucune ville de cet État. Est-ce que l'accusée ici présente plaide toujours non coupable des charges retenues? Oui. Oui, votre honneur. Je demande le silence. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez développer votre argumentation, M. Gibson. Messieurs les jurés, je pense qu'un grave malentendu subsiste sur les raisons qui nous amènent ici aujourd'hui. Les législateurs qui ont promulgué la loi noire et les citoyens qui, eux, approuvent la loi ne s'opposent en aucun cas à ce que l'on instruise la population noire. Je ne donne aucun avis pour ou contre l'esclavage. Je déplore seulement son existence et je regrette ses excès autant que n'importe quel homme ou femme ici présent dans ce tribunal. Mais ce à quoi je m'oppose, c'est l'importation des gens de couleur dans notre État dans le but de les éduquer. Je m'y oppose pour une raison bien simple. Le respect de la loi et ceux dont l'objectif est de propager l'enseignement doivent commencer par la connaissance et l'application des lois qui régissent notre société. Monsieur Ellsworth. Votre honneur, messieurs les jurés, mon honorable adversaire, monsieur Gibson, vous adjure de faire appliquer la loi. J'admire la modération de sa demande et j'applaudis à la noblesse de ses sentiments. Je ne peux toutefois m'empêcher de me demander pourquoi il a négligé de parler d'un petit détail, à savoir la Constitution des États-Unis. Serait-ce parce que cette loi qu'on appelle la loi noire est en contradiction absolue et totale avec les principes fondamentaux de notre Constitution? Constitution qui précise que tout citoyen de n'importe quel État pourra se prévaloir de tous les privilèges reconnus aux citoyens de tous les États. Ces jeunes filles ont un droit constitutionnel à recevoir une éducation dans l'État de leur choix. Tout comme Mademoiselle Crandall a le droit de leur enseigner. En vertu de ces droits, je réclame votre compréhension. Tous ceux qui persécutent Miss Crandall ont voulu masquer leur bigoterie derrière une loi. Ensemble, nous devons déchirer ce masque qui dissimule cette hypocrisie. Et pour ce faire, nous utiliserons le seul moyen qui nous est donné. La Constitution des États-Unis. C'est au ministère public de présenter son réquisitoire. Votre honneur, l'État appelle à la barre l'honorable monsieur Daniel Frost. Jurez-vous solennellement de dire la stricte vérité, rien que la vérité? Levez la main et dites je le jure. Je me jure. Prenez place, monsieur Frost. Monsieur Frost, connaissez-vous l'école de mademoiselle Crandall? Évidemment, leur pur auteur arrive chez moi. Objection! Je demande que cette remarque soit refusée. Accordé. Les jurés sont priés de ne pas tenir compte de cette remarque. Monsieur Frost, avez-vous eu l'occasion de visiter l'école de mademoiselle Crandall? En effet, j'y suis allé il y a quelques mois. Je souhaitais discuter avec elle de la présence des filles de couleur. Et que s'est-il passé, monsieur Frost? Ma belle m'en a présenté quatre. Elle venait de New York, Massachusetts et Rhode Island. Objection, c'est par oui dire. Je vais l'accepter, monsieur Ellsworth. Objection rejetée. Soyez assez aimable de nous redire d'où viennent les jeunes filles de l'école de mademoiselle Crandall. New York, Massachusetts et Rhode Island. Merci. Ce sera tout, votre honneur. Dites-moi, monsieur Frost, vous considérez-vous comme un homme respectueux de la loi de cette communauté? Certainement. Alors dites-moi, monsieur Frost, quelle loi vous a accordé le droit de déchirer la robe d'une jeune noire sans défense? Objection, votre honneur, monsieur Frost, l'accuser dans ce tribunal. Cette question est inacceptable. Voyons, votre honneur, n'y a-t-il pas le moindre rapport entre la loi noire et l'irrespect de notre Constitution? Objection accordée. J'en ai terminé avec ce monsieur. Je fais ce que tout autre homme blanc respectable aurait fait. Et je le referai à nouveau. Pouvons-nous poursuivre, monsieur Gibson? Votre honneur, je désire appeler à la barre mademoiselle Eliza Hammond. Non, je ne le permettrai pas. Je plaide coupable, votre honneur. Je vous en prie, surtout, ne faites pas cela. Je refuse de les appliquer dans cette affaire. Non, votre honneur, ma cliente est profondément affligée par ce dont elle vient d'être témoin. Nous avons besoin d'en reparler. Je sollicite immédiatement un ajournement. Y voyez-vous une objection, monsieur Gibson? Non, votre honneur. C'est parfait. Vous avez jusqu'à demain matin. La séance reprendra à 9 h, monsieur Ellsworth.
Mademoiselle Fendall pourra alors plaider coupable si elle le désire. La cour se retire jusqu'à demain. Je ne peux pas leur demander cela. Vous n'avez pas le choix. J'ai le choix. Je peux choisir. Pardonnez mon obstination, père. Mais ça n'a rapporté que haine et douleur sur notre maison. Je plaide coupable et elles seront épargnées. Épargnées, tu dis? Épargnées de quoi? Si tu changes d'attitude, c'est l'État qui l'emportera. Et tout ce que tu auras essayé d'enseigner à ces jeunes filles n'aura servi à rien. Peut-être que c'est déjà le cas. Je n'ai plus rien à leur donner. Excepté ta force. Elles en ont besoin. Et elles en auront appris autant, si ce n'est plus, que dans tous les manuels. Frédéric Olney? Oui? Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Incendie volontaire. Je suis témoin, je l'ai vu mettre le feu à votre école hier soir. Mais c'est faux! Ne soyez pas ridicule, voyons, pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour faire monter votre popularité pendant le procès. Pardon? Vous devez mettre fin à tout ceci avant que d'autres n'en souffrent. J'ai eu tort, Miss Crandall. Faites comme vous l'entendez et épargnez les filles. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre honneur, nous sommes disposés à accepter que Mademoiselle Crandall plaide coupable. Que l'accusé se lève. Souhaitez-vous plaider coupable, Mademoiselle Crandall? Non, votre honneur. Je maintiens mon innocence. C'est noté. Bon, reprenons la procédure. Monsieur Gibson? Votre honneur, l'État appelle Elisa Hammond. Elisa Hammond, veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Nous objectons à l'appel, votre honneur. L'État a le droit d'appeler ce témoin, votre honneur. Approchez-vous, messieurs, s'il vous plaît.
Quelles sont les raisons de votre objection, monsieur Ellsworth? Votre honneur, le témoin ne peut faire de déclaration sans s'impliquer lui-même. Puis-je vous rappeler, votre honneur, que la loi noire spécifie expressément l'obligation de témoigner dans quelque procès? Le législateur n'a pas le droit de faire comparaître un témoin qui pourrait s'impliquer lui-même. La loi est très claire, monsieur Ellsworth, et l'oblige à se présenter. Le témoin peut maintenant prêter serment. Mademoiselle Amand? Levez la main droite. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Détendez-vous, mademoiselle Amand. Aucun mal ne vous sera fait. Oui, monsieur. Quel âge avez-vous? 15 ans, monsieur. C'est un âge suffisant pour faire la différence entre le bien et le mal. Je crois que oui, monsieur. Veuillez parler plus fort, mon enfant. Oui, monsieur. Et aussi entre la vérité et le mensonge. Oui, monsieur. Bien. Quand êtes-vous arrivé à Canterbury? Mademoiselle Amand. Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Mais vous avez juré de dire la vérité. Alors, dans quel état êtes-vous née, mademoiselle Amand? Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Mademoiselle Crandall a-t-elle ouvert une école pour jeunes filles de couleur venant d'autres états? Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. La défendresse a-t-elle dispensé son enseignement à des filles de couleur depuis avril de cette année? Je refuse de répondre... Oui, je sais. Mademoiselle Catherine Weldon, est-elle une élève de mademoiselle Crandall? Je refuse de répondre... Qui vous a conseillé cette défense? Est-ce l'avocat de mademoiselle Crandall? Non, monsieur. Connaissez-vous seulement la signification de ces mots? Oui, parfaitement, monsieur. Je la connais parce que j'ai reçu de l'instruction, et c'est elle qui nous enseignait. Que Dieu la bénisse. Ceci est intolérable, votre honneur. Souhaitez-vous poursuivre, monsieur Gibson? Non. Pas pour le moment, je n'ai plus de questions. Retournez à votre place. Votre honneur, l'État appelle Catherine Weldon à la barre. Vos parents résident-ils dans l'État de New York? Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Mademoiselle Crandall a-t-elle abrité et instruit des jeunes filles de couleur venant d'autres États? Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Puis-je vous rappeler, mademoiselle Harris, que vous résidez dans le Connecticut et qu'en conséquence, vous ne pouvez être impliquée par la loi évoquée? Je vous prie donc de répondre. Je refuse de répondre en vertu du fait que cela pourrait m'impliquer moi-même. Cette fois, c'en est trop. Votre honneur, je demande de citer cette jeune fille pour outrage. Votre honneur, plutôt que de voir cette jeune fille compromise, je voudrais lui conseiller d'accepter de témoigner. Cela me paraît judicieux, monsieur Ellsworth. Vous voudrez bien répondre aux questions, mademoiselle Harris. Je vous remercie, votre honneur. Mademoiselle Harris, êtes-vous vous-même une élève de mademoiselle Prudence Crandall? Oui. Elisa Amon est-elle aussi une de ses élèves? Oui. Catherine Ann Weldon? Oui. Anne Peterson? Oui, oui, oui. Et elles viennent toutes, bien sûr, d'un autre état, n'est-ce pas? Oui. Miss Crandall dirige une excellente école, votre honneur. Nous l'appelons toujours Miss. Nous prions deux fois par jour. Elle a enseigné à Elisa la peinture et à Théodora le piano. Amanda ne savait presque pas lire quand elle est arrivée. Et maintenant, elle écrit des poèmes qui font pleurer tellement ils sont magnifiques. Et moi, je pourrais aussi enseigner plus tard. Je
Je prie Dieu de m'accorder la grâce de faire un jour pour les autres la moitié de ce que Miss Crandall fait pour nous. Tout cela est fort beau, mademoiselle Harris. Mais votre enseignante viole aussi la loi. C'est tout, votre honneur. Vous pouvez aller vous rasseoir. Ne pleure pas. Le ministère public a terminé, votre honneur. Monsieur Ellsworth. La défense n'appelle aucun témoin, votre honneur. Avez-vous établi un verdict? Oui, en effet, votre honneur. Je prie la défendresse de se lever. Lisez le verdict, je vous prie. Le jury déclare la défendresse, mademoiselle Prudence Crandall, coupable des charges retenues contre elle. C'est évident. Mademoiselle Crandall, votre école devra fermer immédiatement. Nous faisons appel. Accordé. Mademoiselle Crandall sera relâchée jusqu'à la date de l'appel. La cour va maintenant se retirer. Ce n'est que la première bataille. Il y en aura au moins une à venir. Annulée en appel. La loi noire fut abrogée en 1838. Andrew Gibson fut battu à l'élection au poste de sénateur. William Lloyd Garrison publia le dernier numéro du Liberator en 1865. Quant à Sarah, Marcia et Elisa, elles devinrent toutes trois enseignantes. En 1886, l'État du Connecticut présenta officiellement ses excuses à Prudence et lui remit une pension. Prudence continua son combat pour les droits des Noirs et des femmes jusqu'à sa mort, à l'âge de 86 ans.